Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. J'en profite, je suis encore à l'intérieur du cinéma. Je sors à peine à l'instant de la séance. Je voulais vous enregistrer la vidéo dehors dans la nature, mais il y a trop de vent. Je sors de ma séance de Godzilla X Kong, le nouvel empire, et c'était un régal du début à la fin. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais déjà à quelque chose d'excellent parce que je n'ai jamais été déçu par les films du MonsterVerse, contrairement à la série Monarch d'ailleurs. Et là, c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. De l'humour, et de l'humour qui fonctionne. De l'action, c'est blindé. Et vraiment, on ressent le sentiment de puissance. J'avais pas ressenti ça depuis Godzilla 2 et Godzilla vs Kong. Moi, j'aime vraiment tous les films. Hein. Même Godzilla 2 qui s'était fait saccager par la critique, je l'avais adoré. Et Godzilla vs Kong, j'avais regretté de ne pas être allé le voir, enfin, de pas avoir pu aller le voir au cinéma puisqu'il était sorti en pleine période Covid. Mais celui-ci, j'en ai bien profité sur un écran géant et je peux vous dire que c'est un déluge d'action du début à la fin et de l'émotion aussi, beaucoup d'émotions, petites larmes à l'œil plusieurs fois, parce que les personnages sont attachants, les relations entre les personnages sont bien écrites et ça fonctionne du début à la fin. Donc c'est la suite directe de Godzilla vs Kong. La critique sera sans spoiler, c'est pour ça que je vais pas le faire très long. Dans la Terre creuse, il y a un poste d'avant-garde de la compagnie Monarch qui reçoit ce qu'ils vont comprendre comme un appel à l'aide. Et en réalité, cet appel à l'aide, c'est pour avertir d'une menace. Et cette menace, il va falloir l'aide à la fois de Kong et de Godzilla pour la contrer. C'est une menace qui vient de loin, qui vient d'il y a très longtemps. Et ils vont devoir s'allier tous les deux, puisqu'on les avait laissés, chacun était séparé, Godzilla à la surface, Kong sous terre, donc dans la terre creuse. Et ils vont devoir faire alliance tous les deux pour contrer cette menace. Il va y avoir d'autres alliés, en plus des alliés humains, il va y avoir d'autres alliés, il va y avoir des découvertes. Je vous en dis pas plus. La jeune actrice qui joue Gia, qui était déjà là dans le précédent film, elle est au cœur du scénario, elle est très attachante, elle a grandi quand même depuis. Rebecca Hall, que je trouve magnifique, je trouve cette actrice Rebecca Hall magnifique, elle a un charme, une espèce de magnétisme. Elle était déjà dans le précédent film, puisque là c'est la suite directe, ça c'est le même casting. Là encore, voilà, elle est excellente. Et la relation avec sa fille, puisque c'est sa fille adoptive maintenant, Gia, c'est très très bien développé. Et puis on retrouve Brian Tyree Henry dans son rôle de geek, un peu journaliste complotiste sur les bords qui n'est pas cru par les gens alors qu'il a sauvé le monde. Dans le précédent film, il a contribué, donc lui, il apporte la touche d'humour. Et on a Dan Stevens qui vient se rajouter au scénario. Alors Dan Stevens, pour ceux qui connaissent pas, il a joué dans beaucoup de films, mais pour vous dire, il a fait la bête dans La Belle et la Bête de l'adaptation live action. Mais il a aussi joué dans la série Légion, c'était une adaptation de l'univers X-Men. Et puis il a joué dans des tas d'autres films. Et le mec est bon, même si ça fait un petit peu en double avec le personnage de Brian Tyree Henry au niveau de l'humour. Les deux ont le même humour, donc forcément ça fait double dose d'humour, mais c'est pas très gênant. Et puis, je vais vous dire ce que vous avez vu dans la bande-annonce. On voit d'autres singes et ils sont super bien faits. Ils n'ont rien à envier aux singes que l'on a dans la trilogie La Planète des Singes. De toute façon, je vais vous dire, les singes au cinéma, c'est toujours bon en fait. Que ce soit la trilogie, c'est une des meilleures de cette dernière décennie, la trilogie La Planète des Singes, avec Andy Serkis, dont j'attends impatiemment le nouveau film. Que ce soit les Godzilla, Kong. Ou même Rampage avec Dwayne Johnson, quand il y a des singes au cinéma, c'est très rarement mauvais quand il y a des blockbusters avec des singes. Donc ça fait plaisir. Franchement, c'est un déluge d'action du début à la fin. Voilà. Je vais pas le faire trop long, parce que j'ai vu que les vidéos qui sont un peu trop longues, les gens regardent pas jusqu'au bout. Foncez le voir, c'est un film qui se voit en salle. Il n'y a pas trop de lien avec la série Monarch, donc c'est pas gênant. Pour si vous n'avez pas vu la série Monarch, c'est absolument pas gênant. Par contre, il faut avoir vu absolument le précédent film, sinon vous n'allez pas saisir toutes les subtilités. C'est pas vraiment subtil, mais sinon vous n'allez pas saisir le scénario en entier, comment on avait laissé Kong et Godzilla dans le précédent film. Voilà, il y a vraiment besoin d'avoir vu le film précédent.
Et je dirais même Godzilla 2, Roi des monstres, parce qu'il y a des liens au niveau du scénario qui sont faits, mais j'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Voilà, je vous laisse là. Je me suis régalé. Franchement, ça a été pendant 2 heures, c'était fun, c'était divertissant. Pas tout ce délire d'inclusivité ou quoi que ce soit, c'est du divertissement assumé du début à la fin, sans message politique, sans message idéologique, à destination de toute la famille et de la destruction massive, parce que c'est ça quand même quand on regarde Godzilla vs Kong, on veut de la destruction massive. Alors je n'ai pas encore vu, je dois me rattraper, je n'ai pas encore vu Godzilla Minus One, mais je pense que c'est pas exactement la même chose, puisque Godzilla Minus One, si je me trompe pas, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être je me trompe, mais je crois. Là, on est de nos jours, on est en 2024. Et c'est surtout feel good, et ça se voit dans la bande originale, dans les morceaux. Dernière chose que je dirais, voilà, la bande originale est excellente, que ce soit les morceaux de musique, on a du Kiss, quoi. On a du Kiss au niveau des chansons, donc le groupe Kiss. Et même la composition de Tom Holkenborg est vraiment très bonne. Il y a des morceaux de techno carrément. C'est génial. C'est du spectacle à 100%. 1h55, je ne les ai pas vus passer du tout. Foncez le voir. On est dimanche. Si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, foncez voir le film. Si vous l'avez déjà vu, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour Fallout. On reprend les adaptations de jeux vidéo. On se retrouve pour Fallout, donc la série sur Amazon Prime. Alors, elle sort jeudi 11. Je pense que vous aurez la critique maximum le samedi 13 ou le dimanche 14. Et ensuite, la semaine d'après, il y a Civil War, le blockbuster, ainsi que Rebel Moon, partie 2. Voilà, merci à toutes et à tous. Passez une bonne après-midi. Bon dimanche. Ciao tout le monde.